Good morning, allez, Iden, les tuyaux aujourd'hui, les lunishmat, avant de faire une fortune, mais allez, Ida, Betester, Yakov, Nissim, Ben Chana, Machlouf, Micha, Ben Masouda, si vous savez, vous savez, je n'ai eu de Mishnah, contact de 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Ketout, Perigimel Mishnatet. Ve od, chez Alan Rabbi Akiva, Shochet Hamisha Zvachim Bachutz Behele Mechad Mahou. Chayav Achat al Kulam, ou Achat al Kol Achat ve Achat. Amroulo, lo Shaman, Amar Rabbi Yoshua, שמעתי באוכל מזבח אחד בחמישת המחוין באלם אחד שהוא חייב על כל אחד ואחד משום מעילה ורואה אני שהדברים בקל וחומר et pour le moment on fait une pause parce qu'en fait ce qu'il va y avoir je vous dis tout de suite la suite c'est que il y a ici une question de Rabbi Akiva avec une réponse de Rabbi Yoshua et il va y avoir Rabbi Shimon qui va interrompre cette histoire là pour dire non c'était pas ça la question elle était un petit peu plus nuancée. Elle était plutôt comme ça, et après, du coup, la Mishnah va continuer à la fin de la Mishnah pour dire en fait que la réplique de Rabbi Akiva sur la réponse de Rabbi Yoshua, et ainsi de suite. Donc pour le moment, on va commencer par expliquer la première partie de la Mishnah. Rabbi Akiva a posé encore une autre question à Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, qui étaient partis faire les courses chez le boucher pour le mariage du fils de Rabban Gamliel, qu'on avait appris donc dans Mishnah Zayin. Il leur a posé une autre question. Ashochet chamisha zvachim bachutz behelem echad maou. Celui qui fait la shchita a 5 korbanot, 5 sacrifices qui devaient monter sur le misbéach, mais il était bachutz, il était à l'extérieur du betamigdash. Behelem echad. Tout ça dans un seul moment d'inconscience. Et il a un peu, soit emmêlé les pédales, ou soit plus simplement, il avait. 5 animaux qui prévoyaient des importants korban Ola, et puis il a cru qu'en fait, non, ceux-là c'était Khoulin, les Ola c'était les autres. Il s'est trompé, et il aurait fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. Très grave interdit qu'on apprenait shrute chutz, égorger un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. C'est une faute sur laquelle on est passible d'un karet si on le fait bémézid, et on est passible d'un korban khatat si on le fait béchogeg. La question de Rabbi Akiva est de savoir. Il y avait 5 animaux, et il a fait tout ça dans un seul moment d'inconscience, un seul oubli, une seule erreur. Est-ce que dans ce cas-là, on considère que, bon, il a fait une très grande avéra, donc un seul korban, ou bien non, il a fait 5 korban, donc ça fait 5 korban khatat. Je rappelle une petite notion qu'on avait déjà évoquée, et qui est en fait développée un peu dans tout ce chapitre, surtout dans la Gemara, une notion assez fine, subtile, complexe, que d'abord, la donnée la plus yevesha, comme on dit, la plus sèche, sans... Tout d'abord, lorsque... Il y a un interdit de manger, par exemple, du chélève, une graisse interdite. D'accord? Eh bien, on transgresse l'interdit, on est passé d'un korban khatat, même si on a mangé un seul kazaït. Mais si je me suis mis à manger 10 kilos de chélève d'affilée, même mieux que ça, je me suis fait un grand morceau de chélève, et chaque jour de la semaine, je me suis fait un sandwich avec ce chélève, avec cette graisse interdite. J'ai oublié que c'était la graisse interdite à Soura. Après, je réalise mon erreur. Il s'avère qu'en fait, j'ai eu le temps de manger 20 kazaïtes, étalés en 5 occasions, par exemple, ou 6 sandwichs dans la semaine, je me suis fait. Est-ce que je devrais apporter un seul korban khatat ou un korban khatat pour chacun d'eux? Là, c'est évident, d'après tous les avis. Ouais, on va prendre une petite nuance, mais de manière générale, c'était dans le même plat, le même viande que j'ai mangé en plusieurs à coups. Je devrais apporter un seul korban khatat parce que tout ça, c'est. Toutes ces transgressions, je les ai faites dans la même lancée, dans le même oubli. Ça s'appelle que j'ai finalement transgressé une fois la Avera de manger du chélève, même s'il y a eu, ça a été fait par plusieurs à coups. Ça, c'est une donnée bien nette. Il y a cependant tout un monde subtil de nuances où on va être hayav malgré tout plusieurs korbanot sur une même Avera. On a d'après, par exemple, tout d'abord, je reviens sur le même principe, un homme avec sa famille d'âme. Eh bien, si dans la même lancée, il n'a pas fait attention, il a oublié, ils ont oublié... Il y a eu plusieurs transgressions, ils devront apporter un seul korban khatat sur toutes ces transgressions. Cependant, on avait appris que si elle a 5 femmes, et qu'elles sont chacune nida, et que dans le même oubli, il a oublié que c'était interdit, et il a transgressé donc avec 5 femmes, là dans ce cas-là, il y a une nouvelle notion qui va s'appeler goufin mechalkin. Les chaque corps, chaque personne, représente un interdit indépendant. On ne dit pas qu'il a eu une seule fois un rapport avec des femmes nida. Non, il a eu 5 rapports, même si ça a été plusieurs fois la même, avec chacune. Alors pour tout ce qui est avec une seule femme, ça s'appelle qu'il a eu une seule, il a fait une erreur avec une,
plein de fois, mais c'est une. Mais chaque personne indépendante va faire chaque nouvelle, chaque fois va être chayav d'un korban spécial. J'ai pas voulu trop rentrer ma conception personnelle du sujet, parce que je préfère pas dire de bêtises en fait. Mais c'est donc ça fait qu'on se retrouve dans tout un monde, on en reparlera quand dans la prochaine Mishnah. Parfois, la même transgression répétée, chaque transgression elle est passible d'un korban khatat, même si tout ça se produit dans un seul moment d'oubli. Même une seule cause d'oubli, une seule erreur. Donc en fait, ton erreur, il n'y en a qu'une. Des transgressions, il y en a plein. Parfois, on va dire, non, un seul corban. Parfois, on va dire, un corban pour chaque action. Parfois, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle Goufin Mokhlakin. Maintenant, je vous donne maintenant mon petit élément de perception, que j'ai probablement déjà entendu, à force de parler avec des gens et tout ça, mais qui va quand même aider à un peu mieux palper ensuite les subtilités qu'il y aura ensuite. Le principe, il est que chaque fois que... Je vous dis tout de suite, je vous vends la mèche sur une notion qu'il va y avoir tout de suite, qui va apparaître. Une notion de Tamchouin Mechalkin. C'est une discussion que, si je vais prendre le même morceau de Chélev, on va en parler tout de suite. Ouais, regardez, il y a déjà écrit Tamchouin. Chamisha Tamchouin, ça va être expliqué. Cinq plats. Il y a une notion très subtile, discuter dans quel cas ça s'adapte. Ça s'applique dans certains cas oui, dans certains cas non. Mais, un même morceau d'aliment interdit, que je vais le prendre, et je vais le couper, et je vais le faire cuire dans cinq plats différents. Un, je vais en faire des grillades. L'autre, je vais le faire la viande bouillie. Et l'autre, une viande frite. Et une, je vais la faire avec des oignons. Et l'autre, je vais la faire à l'ail. Même ça. Ça s'appelle, eh ben, puisque maintenant, du même interdit, tu en as fait cinq manières de transgresser. Alors là, ça ne s'appelle pas que tu as mangé t'as transgressé un seul grand interdit de manger du chélève. Mais tu as mangé cinq fois du chélève. On constate que la notion d'être méchalek, de dissocier les interdits, ça concerne pas en fait, ça concerne en fait en réalité, est-ce que je peux voir tout ce que tu as fait comme une seule grande avéra? Un homme qui a plusieurs fois des rapports avec sa femme, ça s'appelle qu'il a fait une erreur avec sa femme, même si ça a été à répétition, c'est dans la même lancée, dans le même oubli. Il peut récidiver son acte, ça s'appelle qu'il a fait une fois, même si c'est allé sur plusieurs jours. Tandis que, par exemple, lorsque sur un même plat, un même chélev, une même graisse interdite, on va parler spécialement, comme ça c'est admis d'après tous les avis, à propos d'un chélève qui est kadosh. Et il a fait une erreur, il a mangé. Une viande qui est kadosh. Et il a fait une erreur, il a mangé cette viande. Il transgresse l'interdit de Meïla. Et s'il a fait un grand plat qui va étaler dans, qui va manger toute la semaine, il sera chayav un seul korban. Tandis que s'il en a fait cinq plats, il devrait être chayav sur chaque korban. Parce que le fait d'avoir maintenant donné avoir ouvert un éventail de cinq éventualités de transgresser, tu peux manger comme ça, ça va faire que tu as mangé cinq fois. Même. Ouais, on va appeler 5 fois, tu as fait 5 actions de manger. C'est une notion subtile et j'ai pas envie de donner trop, de faire trop rentrer ma perception, parce que d'abord elle n'est même pas assez définie, et c'est délicat et ça s'étale. Il y a des tas, ça parle énormément, ouais, les grandes notions de brisque, si vous avez déjà entendu brisque, les chiottes brisque, vous étudiez beaucoup Kochim, Reprime Soloveitchik, dans son super livre, Chidushar Ibn Chaim Alevi, où tout ça, c'est des yeshivotes où ils s'éclatent sur ces sujets, ils étudient ça tout le temps. Brisk, c'est une yeshiva spécifique où on étudie surtout les notions de coaching. Mais il a écrit tout. Et c'est tout un monde, d'accord? Et donc voilà, on a proposé l'idée. Maintenant, donc du coup, on revient sur notre sujet. Il y a maintenant plusieurs corbanotes. J'ai fait Pessah HaKol. Au final, j'ai fait un seul oubli de m'être dit que je peux égorger ces animaux, Ouais, j'oubliais que c'était interdit, que je pensais qu'on pouvait. Imaginez, j'ai fait une seule erreur, je me suis dit que c'est pas grave, si je peux égorger un corban à l'extérieur du Beit HaMikdash, je peux l'égorger et j'apporte un autre corban demain. Donc j'ai fait une seule erreur. À cause de cette erreur-là, j'ai fait cinq fois la même transgression. Donc Rabbi Akiva, il a posé la question. Il a fait maintenant cette chose-là. Est-ce que chaque corban va imposer un corban khatat différent ou non? Finalement, c'est une seule transgression, tu as fait une seule erreur. C'est pas grave s'il y a des corps différents. Chaque corban représente une chose. C'est ça la question. Amroulo lo shamano, l'on retorqué, bien on n'a pas entendu. Sur ça, vient Rabbi Yehoshua. Amar Rabbi Yehoshua, il va dire, malgré tout, j'ai entendu quelque chose d'autre que je vais pouvoir le déduire de là-bas. Quelle est la déduction de Rabbi Yehoshua? Shamati be'ochel mizevach echad bechamishat amroin. J'ai entendu parler du cas, j'ai reçu de mes maîtres, shamati, c'est-à-dire j'ai entendu de mes maîtres, j'ai reçu, be'ochel, celui qui va manger, mizevach echad, d'un seul corban, bechamishat amroin. Il en a fait cinq plats distincts, comme on a dit. Un en grillé, un frit, un bouilli, un avec des oignons, un avec des tomates, chaque 5 cas différents. L'autre, il a fait des boulettes. Et donc, il a mangé un seul corban, 5 sortes de corban. Dans un seul oubli, dans la même lancée.
Il aura une transgression sur chaque plat qu'il a consommé à cause de Meïla. Meïla, c'est le sacrilège. Et on va expliquer dans 30 secondes, je finis juste la phrase, et je déduis de là que si un même korban, un même morceau de viande cuit de 5 manières, tu considères qu'il y a 5 transgressions différentes, à plus forte raison lorsque tu vas transgresser 5 corps différents, tu vas voir 5 corps, ça veut dire 5 animaux différents. Ok, qu'à plus forte raison qu'il faudra considérer qu'il y a eu 5 transgressions. Précision supra-importante qui va refaire surface à la fin de la Mishnah. Il ne faut pas mélanger les interdits. Il y a des korbanes de khatat, comme ce qu'on apprend dans Maseret Ketot, on a ouvert la Maseret avec le korban khatat, les 36 Shloshim Shesh Ketut Shabbat Torah, 36 Ketut. Ouais, en l'occurrence, manger du chélev, manger une graisse interdite. Mais là, on n'est pas en train de parler de manger des graisses interdites et d'être korban khayav khatat, mais plutôt d'être khayav, un korban hacham, à cause de l'interdit de Meïla. Meïla, c'est lorsqu'on fait un sacrilège. C'est-à-dire quelque chose qui était kadosh et qu'on a mangé de manière profane. Ouais, quelque chose qui n'était pas dessiné au Beth Amikdash et je l'ai mangé. Là, la chaïl me fixe. Dès que tu vas manger une valeur de une prouta, ça ne marche plus en kazaïd, ça marche en prouta. Dès que tu vas manger une valeur de une prouta, eh bien, tu devras apporter un korban meïla, hacham meïlot, comme ce qu'on dit le matin, ceux qui disent les omekomen shel zvachim là-bas, il y a Elohen hachamot, hacham meïlot. Premier hacham qui est évoqué là-bas, hacham meïlot, le hacham de meïla. La lachal me fixe, tu as mangé une valeur de une prouta, tu dois payer la prouta, rajouter un cinquième du prix, apporter un korban hacham, pas un korban khatat. Ok. Par rapport au korban hacham de Meïla, Rabbi Yoshua, il a une halakha. Comme ce qu'on a dit, un même morceau de viande qui était kadosh, que tu as mangé de manière profane, tu as transgressé 5. Tu en as fait 5 plats différents. Si tu as mangé 20 kazetimes de chaque plat, c'est un seul korban. Mais chaque plat différent va considérer que c'est une nouvelle manière de transgresser. Donc si pour ça tu dis que c'est une nouvelle manière de transgresser, alors en plus forte raison, il va déduire donc chaque animal que tu vas égorger à l'extérieur du Beth Amikdash, que dans ce cas-là tu transgresses plus l'interdit de Meïla, mais l'interdit de Korban Khatat, de Shrut et Chutz, eh bien aussi il faudra considérer que tu as eu 5 transgressions distinctes. Ok. Petite pause maintenant avec Rabbi Shimon qui va pas être d'accord avec la formulation de la question. D'abord je le fais à l'oral, c'est très simple. Maintenant, il n'avait pas de question à Rabbi Akiva s'il a égorgé, parce que s'il a égorgé 5 animaux, c'est sûr qu'il apportera un seul korban. On parle pas de ça. On parle du cas où il n'a pas égorgé 5 korban. Il n'a pas fait la shrita à 5 korban, mais qu'il a mangé 5 korban. Ok, regardez, on fait ça dans les mots. Et il y a une différence. Parce que s'il a égorgé 5 korban, ça s'appelle une transgression, tandis que manger, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Shimon, manger, c'est toujours plus grave que de faire juste une action. Manger, il y a un profit personnel. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est là la subtilité pour pouvoir interpréter ça. Ça va nous faire aboutir à une certaine perception de la notion de Goufin Mechalkin. Regardez dans les mots d'abord. Amar Rabbi Shimon, il a rétorqué Rabbi Shimon. Lokar Shalan Rabbi Akiva. C'est pas sur ça qu'il a posé la question Rabbi Akiva. Donc, sur celui qui a égorgé 5 korbanot. Parce que ça, c'est pas Pashut qu'il a porté un seul korban. Ela be ochel notar michamisha zvachim be'elem echad. Mais plutôt de celui qui a mangé un reste de korban, de 5 korbanot, en un seul oubli. C'est-à-dire, chaque korban, il y avait un korban shlamim, il y avait un korban toda, khatat, ce que vous voulez. Chacun avec ses limites de temps, si c'est un jour et une nuit pour la plupart, à part le korban shlamim. Un jour et une nuit. Donc le lendemain, tu n'as plus le droit de manger le korban. Ce qui reste, ça s'appelle du notar. Il y a un interdit de khatat sur ça. Et il a fait quoi, lui? Il y avait 5 korbanot différents, c'est un Kohen, il a mangé un bout de ratat, un bout de hacham, un bout de toda, un bout du shlamim de la veille qui était déjà périmé depuis hier, un bout de bechor, de ce que vous voulez. Et il a mangé donc 5 sortes de korbanot, behelem echad, dans une seule oubli, dans une seule erreur. Et là il aura posé la question, est-ce que dans un cas pareil, puisqu'il y a 5 korbanot, hayav al kulan, ou achat al kol achat vachat, est-ce qu'il y a sur un, sur tous? Parce que tu as transgressé au final l'interdit de notar, avec ses 5 variantes, mais finalement c'est un seul interdit de notar. Ou bien non, est-ce que chaque korban représente une entité indépendante, qu'il faut dire que tu as transgressé une nouvelle fois, et une nouvelle fois, et une nouvelle fois, même si tout est lié à un même étourdissement. Amroulo, et sur ça on aurait retorqué le shamanou, on n'a pas entendu, et sur ça il est venu Rabbi Yoshua, Amar Rabbi Yoshua, Shamati Beochel Mizevach Echad Bechamishat Amchouin Be'el Mechad. J'ai entendu une autre halakha qui est très semblable, que
On n'a plus parlé de manger 5 fois du notar sur 5 corbanotes, mais plutôt de manger d'un seul objet qui était kadosh, mais il a, mais en le faisant à 5 sauces. Oui, 5 tamchouin, 5 préparations différentes, avec des oignons, avec de la tomate, grillé, frit, 5, et quoi? Et dans un cas pareil, chez Ochayav, alcool, achat, ve achat, mishomila, il sera chayav sur chacun d'apporter un corban meila. C'est-à-dire, je vais peut-être pas assez, je précise en une autre raison que je voulais de dire plus haut, mais je le dis tout de suite. Si je transgresse, en théorie, si je mange un gros morceau de viande de meila qui coûtait 20 shekels, alors je vais devoir payer 20 shekels, plus rajouter le cinquième, qui est en fait 5, parce que c'est le quart, c'est le cinquième de ce qui va être ensuite. On a déjà expliqué ces calculs, mais on va pas en parler. Et donc je devrais payer, et puis après ça je devrais apporter un seul corban Hashem, parce que j'ai mangé une seule fois. Mais imaginez que j'ai pris le même morceau de viande, je l'ai coupé en 5, et j'en ai fait 5 préparations différentes, je devrais toujours payer finalement 20 shekels plus le 5e, donc payer 25. Mais cette fois-ci, puisque tu as mangé 5 fois l'interdit, tu auras vendu aussi 5 Hashem, corban Hashem et l'autre. D'accord? Je chavais kol achat v'achat mishumeila. Et de ce fait, verroani, shadvarim kalvachomer. J'ai déduit de là, que, à plus forte raison, pour celui qui va manger 5 corbanotes, ou cette fois-ci, c'est 5 corbanotes, c'est encore plus distinct. C'est-à-dire, si une même source de viande que tu fais à 5 sauces, ça s'appelle 5 transgressions indépendantes, alors à plus forte raison, lorsqu'il y a 5 causes, 5 corbanotes qui vont être chacun distinct, qu'il faudra dans ce cas-là être hayav à chacun. Un corban pour chacune. Vient Rabbi Akiva et le rétorque. Amar Rabbi Akiva, im halacha nekabel. Et il me l'a dit, yashtuva. Il lui dit, Rabbi Akiva, écoute. Im halacha, si c'est une halacha fixe que tu as reçu tes maîtres, toi Rabbi Yoshua, inematov umanaim, je me plie, j'accepte. Nekabel, on la reçoit. Et il me l'a dit, mais si par contre c'est une halacha qui est déduite par ce qu'on appelle un din, toujours une déduction par baminadin, c'est une déduction par logique, vas-y, yashtuva, j'ai une rétorque sur ça. Il lui a dit comme Amarlo, regardez l'humilité et la politesse. Rabbi Akiva, il lui dit, écoute, Kvodarav, si c'est ce que tu penses, si tu as reçu ça de tes maîtres, j'accepte. Mais si c'est une déduction, alors il y a peut-être de quoi rétorquer. Mais il n'a pas commencé à lui dire qu'est-ce qu'il a comme contre-attaque. Amar, d'abord, maintenant Rabbi Yoshua lui a rétorqué, Rabbi Akiva, il lui dit, achève, vas-y, je t'en prie, tu as quelque chose à rétorquer, rétorque. Amarlo, il a répondu, lo, je pense qu'il y a de quoi réfuter. Imamarta be Meila, si tu as déduit cette halakhala dans Meila, que dans Meila, très facilement, on va dissocier les actes pour les considérer comme des actes indépendants sur lesquels il faut apporter des kaparotes. Chez Asaba et Amar, alors, en deux mots d'abord, parce que la Meila, on est super mahmir dans la Meila. Chose qu'on ne retrouve pas dans tous les autres korban khatat. En l'occurrence, les restes d'un korban, le notar, tu n'auras pas cette umra. En quoi est-ce qu'on a vu dans la Meila qu'on est tellement mahmir sur la Meila? Parce que, chez Asaba et Amar, il kaochel, dans la Meila, on a fait celui qui donne à manger comme si c'était celui qui mangeait lui-même, d'être amehane kenene, et celui qui va donner à quelqu'un d'autre à profiter comme celui qui profite. C'est-à-dire, s'il y a un korban khatat, un korban de la viande kadosh, ouais, de la viande de khatat par exemple, que je vais prendre, je vais donner à manger à quelqu'un. Vous savez, c'est qui transgresse l'interdit? Moi, je transgresse l'interdit. Parce que dans la Meïla spécialement, peut-être j'ai pris un cas pas exact. Je ne vais pas m'engager, on va prendre un cas plus simple. D'accord? Imaginez que j'ai sanctifié une pomme au Beth Amikdash. Ok? Je vais prendre moi cette pomme et j'ai sanctifié une pomme. Donc maintenant, la pomme, elle appartient à la trésorerie du Beth Amikdash. C'est un bien du Beth Amikdash. Le gizbar, le trésorier, devra la vendre, récupérer de l'argent. Si je prends cette pomme et je la donne à manger à quelqu'un, figurez-vous que c'est moi qui transgresse l'interdit. À Mahil ke Ochel. On a condamné celui qui va donner à manger comme si c'était lui-même qui mange. Le simple fait de sortir. De profaner, c'est moi qui fallait son profaner. Quand je vais prendre et je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et idem pour celui qui va mehane kenene, celui qui va donner à quelqu'un à profiter, et comme si il profite de lui-même. C'est-à-dire, je vais prendre une huile d'onction, une huile de Kete Kadosh, et je vais moi la moindre sur quelqu'un. Figurez-vous que c'est moi qui transgresse interdit, chose qui est à nulle part. Si je vais prendre de l'huile de Avodazara, que je vais la moindre sur quelqu'un, moi, j'ai pas de raison de transgresser l'interdit de profiter de l'Avodazara. Je ne tire pas profit de l'Avodazara, c'est lui qui tire profit. Peut-être qu'il tire profit passivement. En tout cas, moi, je ne suis pas condamnable. Et dans Meïla, on va me condamner à moi. Donc tu regardes que dans Meïla, on est très strict. Deuxième raison pourquoi est-ce qu'on est très strict dans Meïla, c'est ref à Meïla les Zman Meroubé. Et en plus de sa autre halakha, qu'on est Metzaref, la Meïla, les Zman Meroubé. On peut associer des petits morceaux de Meïla pour en fait être passible d'un korban général, même si on est allé avec beaucoup d'espace. Je m'explique.
On a déjà appris, lorsque je mangeais un korban khatat, un korban, un morceau de chélève, notar, n'importe quelle source sur laquelle je suis passé du korban khatat, eh bien on avait appris que je suis limité dans le temps pour manger le kazaït. Il faut que je le mange, le temps de manger un pras, 4 minutes ou 8 minutes. Mais je peux pas maintenant, si je veux manger un petit bout tout de suite, et dans 10 minutes encore un petit bout, et dans 10 minutes encore un petit bout, qu'au total j'ai mangé en tout un kazaït, ça ne s'associe pas. Ouais. Parce que j'ai pas fait une akhila khashuva. Figurez-vous que pour la meila, c'est pas comme ça. La meila, on a expliqué que l'interdit de meila, il n'est pas sur le fait d'avoir mangé un kazaït. Il est sur le fait de manger la valeur d'une prouta. La valeur d'une prouta. D'accord? Dans la meila, la notion, elle est d'avoir utilisé l'argent du Hekdesh. C'est un peu le reprème soloïtique. Le reprème de Brice qui explique que l'interdit de meila, c'est un peu comme si c'est plus un interdit qui ressemble en fait à avoir volé ce qui appartient au Hekdesh. Le Hekdesh, c'est une propriété, et puis le fait d'avoir utilisé cette propriété, alors ça fait que je suis chayev d'un korban meila. C'est ça le sacrilège. C'est pas le fait d'avoir mangé en tant que manger. C'est plutôt par rapport au fait d'avoir tiré profit, d'avoir volé, d'avoir exploité quelque chose qui appartenait au Hekdesh. Partant de ce principe, on mesure l'interdit de meila en mangeant une valeur d'une prouta. C'est comme le vol. Et alors maintenant, si tu as volé aujourd'hui une demi-prouta et demain une demi-prouta, ça s'associe. Tu n'es pas limité dans le temps. Donc tu regardes dans la meila, en tout cas, je reviens sur la Mishnah, tu es beaucoup plus strict sur la meila pour ces deux points que celui qui va donner à profiter de transgression interdite dans meila. Et celui qui, en plus, même s'il a transgressé deux séquences, deux tronçons de Avera étalés sur deux jours, par exemple, tu seras chayav, alors que dans toutes les autres achilat, ce ne sera pas la même chose. De ce fait, puisque tu es plus strict par rapport à la Meïla, il est vrai que toi, Rabbi Yoshua, tu as trouvé une halakha sur lesquelles tu vas dissocier facilement les interdits dans la Meïla, ce ne sera pas une preuve. Tomar Benotar, vas-tu dire que ce sera le même principe pour le notar, pour les restes d'un korban, que dans ce cas-là, sur un interdit tratat, qui est certes très grave aussi, mais que sur ces deux points-là, tu regardes qu'on est moins strict. Bon, de ce fait, tu ne peux pas déduire. C'est vrai que tu as vu cette. Ouais, qu'on déduit par a fortiori. T'as vu que le petit. D'abord, je finis la phrase. Tomar ben, vas-tu dire pour le notar, le reste du korbanot, que c'est un interdit de karet, Shenbo Echad Mikolelo, qu'il n'y a pas, c'est Khumrot. Notion générale, lorsqu'on fait une déduction par a fortiori, on va dire que si le petit, il est capable de lever 10 kilos, le grand mastodonte, il peut lui aussi porter 10 kilos, c'est vrai. Mais si le petit, le matin, il boit du. Comment ça s'appelait là? On dit. Le Nesquik là, qui donnait des forces. C'est pas grave, bon, je m'en souviens plus. En tout cas, si le petit, en fait, non, le petit, c'est vrai qu'il est petit, qu'il lève 10 kilos, mais c'est parce que le matin, il mange la viande, il mange des vitamines en plus, et c'est pour ça que ça lui donne plus de punch. Et le grand, il ne les mange pas, tu peux plus faire une déduction pour Calva Romer, c'est logique. C'est-à-dire, tu peux dire que si le petit sait faire quelque chose, alors le grand, il sera faire. Mais si le petit, il a une cause, pourquoi il fait. Alors, et le grand, il n'a plus la cause, tu ne pourras plus déduire par a fortiori. Logique. Partons de ce principe, il est vrai qu'en général, de manière générale, un korban khatat, c'est plus grave que le korban sur la meïla, quand c'est qu'un cham. Mais regarde, sur deux points, on était beaucoup plus strict sur la meïla. Ce n'est plus une preuve pour le korban khatat. De notar, ou de chélève, ou de ce que vous voulez, où on dira plus là-bas, dans le chélève, que tamchouin, mechalkin, que chaque plat représente une transgression indépendante. Si tu as vu cette notion dans la meïla, ce n'est pas une preuve pour le korban khatat. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la sakhakol.